Peut-on encore être irrévérencieux au cœur du cinéma? C'est une question qu'on s'était posée à peu près dans le même ordre d'idées avec Gaspard Noé et La Subversion, mais l'irrévérence est pour moi un sujet encore plus compliqué à cerner au cœur du cinéma moderne. En somme, l'irrévérence est l'enfant consanguin de la subversion. Car là où l'on peut être subversif, il est extrêmement difficile d'être irrévérencieux. Car cela demande de prendre en compte une donnée assez complexe du cinéma moderne d'aujourd'hui, cette idée qu'un sujet puisse à lui seul choquer, et que la forme ne fera que rendre encore plus difficile d'accès, cette idée que la base d'un film choque le spectateur. De tout temps, il y a eu de l'irrévérence. Mais il y en a peu qui ont réussi à transcender les barrières d'un cinéma underground choc, certes, mais terriblement anecdotique finalement. Là où d'autres réalisateurs en font la base de leur leitmotiv créatif pour devenir alors des gosses encore plus sales que ce cher Gaspard Noé, pour devenir littéralement des personnages à part entière, comme c'est un peu le cas de l'auteur que l'on va essayer de comprendre ici présent finalement. Car si on peut facilement cataloguer son « style » entre guillemets, il est beaucoup plus difficile d'arriver à cerner qui est vraiment le cinéaste le plus controversé du cinéma danois. Concepteur du dogme avec un certain Vinterberg, créateur d'œuvres cathartiques et profondes qui ont révolutionné le cinéma moderne, provocateur farouche cherchant à ne rentrer dans aucune case possible du cinéma et de l'art, Lars von Trier est un cas d'école pour certains, un sujet d'étude pour d'autres, un auteur prétentieux et bon pot pour un chacun, un génie pour les plus farouches, mais avant tout, c'est un cinéaste qui aime choquer en étant le plus irrévérencieux possible de par une démarche artistique faite pour interpeller le spectateur, mais également pour le questionner et le laisser dans une posture assez complexe où celui-ci ne sera pas maître de ses émotions. Car devant un film du cinéaste danois, on ne reste jamais tranquille. On se cache les yeux, on hurle d'horreur, on a le sang qui se glace même par instant, et dans d'autres, une certaine excitation malsaine et presque jouissive s'empare de nous. Et c'est ce qui a fait, au fil du temps, sa marque de fabrique, son style créatif et également sa réputation de cinéaste choc et de contemplateur de la violence profonde et perverse qui réside en chacun de nous, selon lui. De plus, il s'agit d'une personnalité extrêmement viscérale, dans son sens le plus noble du terme si on y réfléchit bien. Chacune de ses apparitions ne laisse personne indemne, tant l'auteur aime faire mal par où il passe, et quand ce n'est pas lorsqu'il crie sa compréhension pour les actions d'un certain dictateur d'origine allemande, c'est lorsqu'il met en avant ses personnages, sa vision du cinéma et son regard sur ses contemporains. Bref, vous l'aurez compris, Lars von Trier est un homme finalement d'une grande complexité, mais également un personnage viscéral donc. C'est ainsi que dans ses films, on ressent cela, on ressent cette perversion de l'esprit, cette forme de contemplation sale mais réaliste de l'homme et ce besoin profond de nous faire ressentir une certaine forme de jubilation maladive face aux actions souvent peu louables d'un ou plusieurs personnages qu'il cherche à comprendre avant de potentiellement idolâtrer ou juger de manière violente. Et les exemples sont foison au cœur d'une filmographie brassant de nombreux genres, allant du drame humain à la comédie musicale, en passant par la fresque pornographique et l'immense aventure autour d'un serial killer. C'est tout cela à la fois Lars von Trier, un cinéaste fou, incapable d'être catégorisé au cœur du 7e art. Cela m'a toujours fasciné chez cet auteur, ayant fortement participé à mon éveil au cœur du cinéma d'auteur, notamment au travers d'une œuvre comme Antichrist, œuvre controversée encore aujourd'hui, mais pour moi, exemple parfait du film intelligent et viscéral qui cherche à passionner et fasciner le spectateur dès sa scène d'introduction pour ensuite l'immerger totalement dans un enfer graphique et sensoriel déchirant. C'est cela que j'aime chez von Trier. C'est ce besoin constant de jouer avec l'essence même de notre profonde incompréhension de l'homme et de ses pulsions, et le malin plaisir qu'il a à se jouer de nous, quitte à révulser totalement celui-ci ou à lui poser un peu trop de questions existentielles. Mais pour autant, cela reste une manière de voir les choses qui est unique en son genre, et cela reste dans une optique constante d'irrévérence sans jamais essayer de se complaire dans un regard simple ou classique sur ses personnages. Du haut de sa tour, il semble pourtant y avoir un petit souci avec le cinéaste danois, qui reste un génie, ça n'est plus une chose à prouver, mais où cela semble atteindre malheureusement un point de non-retour aujourd'hui. Dans sa quête d'irrévérence et de provocation pure, je pense que von Trier a atteint un stade aujourd'hui où son cinéma est en train de devenir profondément égocentrique et se referme doucement sur lui-même, et ceux qui connaissent son travail ont déjà commencé à voir cela comme beaucoup d'entre nous sur Nymphomaniac, qui reste une œuvre symbolique et fantasmagorique, mais qui reflète également le début d'un souci chez le cinéaste danois. Von Trier commence un peu trop à se regarder le nombril et risque très fortement d'infecter son cinéma de manière profonde et dense, quitte à littéralement sucrer l'essence et la moelle irrévérencieuse pour n'en faire qu'un besoin d'autosatisfaction complaisant et prétentieux qui pourrait détruire la base même d'une œuvre de 7e art pourtant conçue pour amener une émotion sincère et profonde dans la chair du spectateur, mais qui servira alors à simplement le perdre en un sens. Finalement, la seule chose qui pourrait annihiler le travail de Lars von Trier, c'est lui-même. C'est une chose triste à regarder presque,
puisqu'en un sens, si le réalisateur danois décide de tuer l'essence même de l'irrévérence de son cinéma par une prétention elle-même irrévérencieuse, ce serait à la fois un magnifique cas d'école d'autodestruction artistique, mais également le début de la chute pour un cinéaste unique en son genre et qui avait su jusqu'à présent complir cette satisfaction dans la provocation. En espérant que cela ne se ressente pas trop dans l'acheminement d'un dernier long métrage qui semble une nouvelle fois provoqué, Von Trier aura certainement d'autres occasions de comprendre et cerner que la base d'un cinéma provocateur ne réside pas forcément dans un regard irrévérencieux seul, mais également dans la manière avec laquelle le réalisateur en question décide de remettre en cause la base même de ses propres idéaux créateurs. À l'image d'un phénix, il manque donc simplement une bonne brûlure à Lars Von Trier pour savoir comment renaître de ses cendres.